Ben, moi je m'appelle Mason, Mason Ewing, voilà, j'ai 26 ans. Sinon je suis d'origine camerounaise et américaine. C'est une holding avec plusieurs entreprises, donc avec plusieurs départements. On a un pôle, on a le pôle mode, le pôle audiovisuel, on a le pôle justement littérature. Et dans le pôle mode, il y a la marque Mason Ewing avec le bébé Madison. Il y a le département, il y a aussi le pôle mannequinat qu'on a fermé pour l'instant. Après, dans le département audiovisuel, il y a les entreprises de Wing Film, c'est une boîte de production, donc on va commencer à produire des films. On a aussi le pôle 3D, parce qu'on voudrait lancer les aventures de Madison, voilà, en dessin animé en 3D. Et on a, après, dans le pôle littérature, on va justement réaliser les BD des aventures de Madison en bande dessinée et bientôt prochainement mon livre. J'ai créé une gamme de vêtements qui s'appelle Mason Ewing. Elle a été créée déjà, on va dire, pour rendre hommage à une personne qui m'était chère, ma mère. Et dans cette marque, on a prévu plusieurs gammes. Et en ce moment, la première gamme sur laquelle on travaille pour l'instant, elle s'appelle la gamme Madison Universel. Et la particularité de cette gamme, la gamme Madison Universel, c'est une gamme avec un bébé. Un bébé qui a justement une particularité, c'est que le bébé, il est métisse. Il a les yeux bleus bridés avec une mèche blonde, parce que ce bébé qui se prénomme Madison, il est là en fait aujourd'hui pour passer un message. Et c'est un bébé qui représente, on va dire, qui est international, un bébé qui représente toutes les origines, un bébé qui représente tous mes combats. On n'est pas impotent, voilà, quand on est capable de faire des belles choses même quand on est handicapé. Donc c'est ça mon message. Et pourquoi un bébé? Parce que le bébé Madison, justement, il est là aujourd'hui, on va dire, pour répondre, parce qu'un bébé pour moi représente l'innocence, la pureté, on va dire, un bébé pour moi c'est l'évolution, c'est la renaissance. Et aussi la particularité qu'il y a dans cette marque, c'est qu'il y a du braille qui permet aux gens, en fait, qui ont des problèmes de vue, de pouvoir reconnaître la couleur du vêtement. Ça va pouvoir leur permettre de pouvoir harmoniser ce qu'ils portent sur eux au niveau du haut et au niveau du bas. Puisque le bébé Madison, il fait plein d'activités. Montre un exemple, là par exemple, là c'est un t-shirt Mason Ewing, là c'est la gamme Madison Universel. Alors là on voit le bébé Madison en train de faire une activité, et là je vais vous dire ce qu'il est en train de faire. Donc Madison est en train de faire du golf et le t-shirt il est rouge en fait.